Là, Laval, la ville qui a mon cœur depuis un tendre âge, Laval va aller à S. You know, there's a bigger city in Quebec called Laval. You know Laval? Là pour Carrefour Laval pis tout, pis y'a les staffs. Tu sais, métro quartier, genre, c'est comme même pas sérieux. Do you know about Laval? No. It's the biggest city in Canada. Ah, okay. Yeah, it's the biggest city in Canada. Pis en tant que maire de Laval, bon, moi je dis non live. Comme direct, nada, moi je suis pas d'accord. Je suis arrivé souvent ici en critiquant des gens. J'ai eu des altercations virtuelles. Moi qui beef avec whatever XY 140 000 followers sur Instagram. Mais là, j'ai du gouin avec une institution, pam. Tu comprends? On s'est rendu là, là. Avec une municipalité, il y a du beef. Let's go! Ok, vous étiez ici la semaine dernière quand j'ai dit à ma ville natale, tu restes assis dans ton coin puis tu fais des coloriages, ok? J'ai critiqué la ville de Laval pour un projet présenté sous cette forme-là ne fait aucun sens. Quelques jours après mon vidéo, elle a partagé un communiqué disant que le projet ne verrait pas le jour sous cette forme. À première vue, c'est une petite victoire, c'est pas gagner la guerre. La rage citoyenne a été entendue. La ville de Laval, je pense, j'ai arrêté de les flatter dans le sens du poil, tu sais, parce que c'est vraiment le fun quand un YouTuber décide qu'il aime ta ville, fait de la promotion à travers tout le Québec gratuitement juste pour le mime de Laval. Et du moment qu'on contredit votre fucking projet de bozo, le GC de la ville m'a envoyé, pas par mise en demeure, pas privé, pas de message, pas de courriel en fait, la ville a pris sur son dos de commenter sur ma vidéo YouTube. Et je vais vous lire le commentaire. Salut Mounir! Tout ce qui manque dans ce commentaire, c'est des emojis, je le dis live, ok? Nous avons remarqué que tu utilisais notre logo de la ville comme photo de profil et compte YouTube et Facebook. Wow! C'est une belle remarque que vous faites le live. C'est fort, Laval. Vous êtes fucking fort d'avoir remarqué ça. Considérant ton grand nombre d'abonnés, 35 000, by the way, on a hit 35 000. Merci à tout le monde qui s'est abonné. Hey, good job! Ok, ce message est tellement passif-agressif. Voir que je suis sous-beef avec une ville. La gang, we made it. Je sais pas comment qu'on peut top ça, genre. C'est flatteur. Toutefois, sache que l'utilisation de notre logo n'est pas permise puisqu'il est protégé. Protégé par qui? Protégé par quoi? C'est peut-être protégé par le fucking petit frère Agel Vaillancourt. T'as aucune crise d'île. Il y a le logo dans son sous-sol avec tout l'argent des taxes payées de Laval qui cache pour construire des marinas sur le bord de la rivière des Prairies. C'est là qu'ils protègent leur logo, en fait. À ce qui paraît, tous les maires de Laval, ils font un grandeur nature, puis il y a le logo en plein milieu du château. Puis il faut que tout le monde le protège, le calice de logo. Parce que si tu l'utilises, là, si le logo, le beau L qu'on a fait designer par Pablo Picasso de Sainte-Rose, là, c'est pas de Sainte-Rose, ma bad, c'est de Sendo, ok? Pablo Picasso, il vient de Sendo. Tout le monde sait qu'il pogne la 26 pour aller chez eux. Anyway, n'est pas permise puisqu'il est protégé. Ce faisant, il faudrait que tu le retires. Retire. T'as été contre notre projet que toute la ville est contre, Mounir? Retire notre logo. Palais des communications de Laval qui m'envoie ça à genre 10h30 du matin. Chill, ok? Notre logo est protégé. Le gars, il était-tu sur un fucking... La partie la plus wrong de tout le fucking message, ok? Avoir le nombre de followers que tu as sur TikTok en utilisant ta propre photo. Shoutout à mon TikTok. Allez, follow. En utilisant ta propre photo... Je parie que si tu retires le logo de la ville, ça ne tuera pas une miette, ok? Je vais vous expliquer quelque chose, ville de Laval, ok? C'est pas parce que j'ai réussi à faire du meilleur branding pour votre ville en un an, puis que là, je suis plus de votre bord, vous êtes obligé de me faire chier. Vous avez envoyé ce commentaire au moment où est-ce que je vous critique. La chose facile à faire serait de faire « Laval, mon logo, c'est le droit ». Écoutez, moi je pense que je vais changer mon logo live, je voulais le changer, ça fait longtemps. Pas vous mentir, la gang. Je suis pas tant accroché à un logo, surtout qui est même pas tant fly, le logo de Laval, on va se dire les vrais shit. Tu vois, boum! Direct, bro, le graphiste était prêt, on a fait le nouveau logo, tout est chill, tu comprends? Bon, la ville de Laval. Maintenant que j'ai changé mon logo, ok? Nouvelle bannière, nouveau look, je fais pas semblant d'être un maire, je suis juste le putain de maire de Laval, ok? Fait qu'arrête de me faire fucking chier avec un logo, j'ai le droit de dire ce que je veux, puis votre projet sur la fucking île Gagnon, c'était dumb, puis vous l'êtes fait dire, puis vous êtes mad.
Fait que vous êtes là à chialer sur le fucking YouTuber. Vous faites pitié. Donc, au lieu de parler de mon logo, on va juste continuer à parler de ce projet. Parce que j'ai eu la chance de poser des questions au promoteur en charge du projet sur l'île Gagnon. En fait, on a des scoops, il dit. Tu sais, quand tu dis pourquoi un aussi gros projet va changer l'allure du secteur, sincèrement, on n'a pas engagé encore les architectes de renommée internationale avec qui on veut travailler. Puis c'est simplement un brouillon. Puis, tu sais, selon nous, on n'aurait même pas dû déposer de perspective parce que ça reflète même pas notre vision. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là de l'entrevue? C'est juste comme, on n'aurait jamais dû sortir cette photo boboche de ce projet qu'on dirait que cette île, il va avoir 26 000 condos dessus. Moi, c'est quand j'ai vu cette photo que j'ai été, que j'étais comme, vous voulez faire ça sur l'île? Qu'est-ce qu'il m'explique? C'est qu'il n'aurait jamais dû sortir ça, puis il aurait dû dessiner de quoi de plus clean. Mais pour vrai, quand il y a autant d'argent en jeu, j'ai l'impression que vous pouvez payer quelqu'un qui a moindrement du bon sens pour prendre des bonnes décisions pour vous. Si c'est pas vraiment ça votre vision, parce que qu'est-ce qu'il me partage? Qu'est-ce qu'il veut dire lui? C'est qu'il veut faire de l'étalement urbain en respectant la nature qui est en place. Mais moi, je pense vraiment que cette île-là est patrimoniale dans Laval et je pense pas qu'elle devrait être altérée fondamentalement. D'en faire un espace public disponible aux gens, 100%, que ça revienne au public. Puis comme j'ai dit initialement dans mon premier vidéo, si tu construis un petit building à côté, tu veux faire des mariages là, tu veux faire des petites conférences, fine, go ahead. Moi, qu'est-ce que je suis pas down, c'est de l'espèce de complexe d'hôtellerie avec des fucking condos puis un stationnement souterrain qui va changer toute la structure de l'île avec un nouveau pont. Est-ce que la ville nous a pas donné de paramètres à respecter? Non, c'est plutôt les organisations. Il y a beaucoup d'organisations contre les projets tels que présentés qui nous ont fait part de leurs commentaires. Puis là, on est en train de rassembler justement les commentaires des groupes d'opposition. Il y a beaucoup de gens, même dans le groupe Facebook, là, qui nous ont donné des commentaires constructifs que ça serait... Si je me fie à ce message qui dit qu'il est en communication avec les gens du groupe Facebook contre, qui est le gros endroit où ce mouvement a pris de l'ampleur, c'est sur Facebook, s'ils communiquent avec eux de bonne foi et les organismes autour font partie du mix pour le redesign, ça fait du sens parce que je pense pas que c'est simplement les promoteurs propriétaires de ces terrains privés qui devraient avoir un mot à dire sur qu'est-ce qu'on fait avec ces endroits-là, parce que les plus impactés, oui, il y a du monde qui vont mettre de l'argent là-dedans, mais il y a du monde qui va être obligé de vivre avec ça ou qui vivent déjà avec ça depuis des années puis ça va changer pour eux. La ville de Laval, si le but de me dire de changer de logo, c'était que j'arrête de vous faire chier, je pense que vous m'aimez vraiment plus quand j'étais de votre bord puis vous le saviez même pas. J'ai changé mon logo parce que je voulais le changer, ça fait un peace. Puis pour vrai, je vais le remettre quand je veux. Je vois aucun fondement de pourquoi j'aurais pas le droit de mettre ça en logo. Amen, je pense que je vais pas le changer. Non, c'est pas vrai. Laval, vous faites pitié. C'est fucking triste, puis je vais vous dire de quoi, Marc Demers, le vrai maire de Laval qui a été élu par les gens, whatever que ça veut dire, j'y ai montré ma chaîne YouTube en 2019, il a même enregistré ce clip qui est légendaire. Abonnez-vous à youtube.com/maire de Laval. Où il dit aux gens de s'abonner à ma chaîne YouTube où j'avais la même photo de profil, où il trouvait ça très drôle que j'avais choisi le nom maire de Laval. Monsieur Demers, si vous voyez la vidéo, sachez qu'un de vos employés des communications est en train d'intimider un jeune YouTuber. Yo, parce qu'après vous que vous avez pas vu, c'est que j'ai eu des DM avec une fucking ville qui m'a dit « Ben, nous, on veut juste reprendre notre logo fucking passif-agressif. » Comme, écoute, j'ai plus votre logo, mon logo est fucking fly, puis maintenant, je vais le mettre sur ma merch, puis les gens vont l'acheter. Fait qu'est-ce que tu veux que je te dise? La culture supporte la culture, mais les municipalités, c'est pas des culturés, des cultivistes, OK? C'est tout ce que j'ai à dire. Si tu veux être culturiste, puis après, tu cultures les mauvais shit, écoute, tu check ton sel, à m'emmener sa vibre, c'est le gars d'occupation double. L'autre fois, sa vibre, c'est la municipalité qui dit « Écoute, frère, il y a du goumin, moi, si tu pull up pas, on se rencontre derrière le blanc, j'ai c'est du beef direct, je mets back, bro. » Laval, elle m'a low-key donné du genre beef de secondaire 3 energy. J'étais comme, écoute, yo, bro, on va pas meet up au fucking métro Concorde pour qu'on fasse un 2 minutes, là. Tout ce que j'ai à dire, en fait, c'est que fuck le projet sur l'île Gagnon comme il a été présenté la première fois. Et pour ma ville, Laval, que je supporte depuis des années, pas fier de toi, et il va falloir venir faire du ménage à l'hôtel de ville pour vrai. Puis là, j'ai dit ça, vous allez voir. C'est chip. C'est top chip. Écoute, I'm buttered with you hoes. Maintenant que j'ai plus de paperasse municipale à régler, puis de beef
inter-fucking-municipalité, là. On m'a appelé à la fucking office des municipalités pour que j'aille témoigner contre Gilles Vaillancourt, là. Non, c'est pas vrai. C'est tout ça, c'était pas vrai. Anyways. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que j'aurais... Maintenant que je l'ai changé, il y a beaucoup de gens qui vont être mad que je l'ai changé. On va vous parler à vous. Le L était rendu vieux. Je voulais changer de logo, ça fait longtemps. Puis live, Laval m'a demandé de le changer. Je vais le changer parce que ça me tente, OK? Puis pas parce qu'on me menace de me poursuivre pour des millions de dollars. Puis si je cligne des yeux, c'est parce qu'ils m'ont enfermé quelque part, puis je peux pas m'enfuir. J'ai juste pas envie de fuck avec eux, puis comme... mon nom c'est Mounir, le maire de Laval, c'est la meilleure chaîne YouTube au Québec. Let's go! Je suis content parce que maintenant je peux les envoyer chier. Yo, shout out à Lil Franco sur Instagram. Son Instagram est ici. C'est avec lui le graphiste que j'ai fait ma nouvelle bannière et mon logo. Allez lui donner du love. Il a fait ce fucking vite comme un chef. C'est fini pour aujourd'hui. Hein, on a un jeune créateur d'origine maghrébine qui représente bien la démographie de la ville de Laval. Pourquoi qu'on lui donne pas un peu de notoriété au sein de notre ville puis on le valide en tant que personne qui informe les jeunes? Non, on veut juste le critiquer sur son logo parce qu'il a critiqué notre projet. Vous avez l'air de des boulis en 6e année. Anyway, fais les doses, fais les bails. Reste à l'école. Gang. Dog one. Le maire de Laval, le maire de Laval. Dog one. Le maire de Laval, le maire de Laval. Dog one. Le maire de Laval, le maire de Laval.